Donc, moi, je suis docteur Tellière, je suis docteur en médecine et j'ai fait surtout une carrière à l'Institut Pasteur en immunologie, c'est-à-dire l'étude des maladies infectieuses, surtout des défenses contre les maladies infectieuses. Et j'ai été chef de service en bactériologie et immunologie à l'Institut Pasteur. Et surtout, je m'occupais de ce qu'on appelle la recherche clinique, c'est-à-dire à l'hôpital. Et il y avait des recherches cliniques parce que l'Institut Pasteur, n'oublions pas, il était lié avec aussi une entreprise qui s'appelait Institut Pasteur Production. Et l'Institut Pasteur va ensuite qui faisait des vaccins, des immunoglobulines. Mais j'ai dirigé cette recherche associée. Et puis maintenant, je m'occupe d'une recherche en Angleterre que mentionnait Armelle Cayuela sur quelque chose que je vous présenterai après. Il y a quelques années, Monsieur Perron, sachant que je m'occupais d'immuno et que je n'étais peut-être pas complètement ennemi, m'avait demandé de m'occuper de maladie de Lyme. C'était exactement, je pense, en 2002 ou 2003, j'étais un peu comme tout le monde. Non, 2000 peut-être. J'étais comme tout le monde, je l'avais entendu parler à l'internat. On me disait que c'était une maladie essentiellement sur l'Alsace, la Lorraine, le Jura, que ça venait d'Europe centrale et orientale. Et qu'il n'y en avait pas ailleurs, et qu'effectivement, j'ai appris, comme tout le monde, que, de toute façon, se l'attraper, ce n'est pas très grave. J'avais 15 jours à 3 semaines d'antibiotiques, et puis voilà. Et l'antibiotique de l'époque, c'était la doxycycline, hein, voilà. C'est 200 mg de doxycycline pendant 3 semaines, et puis on n'en parle plus. Tout le monde est resté un peu là-dessus. Perron a raison quand il en parle, hein. Tout le monde est resté là-dessus. Donc la plupart des médecins que vous rencontrez sont restés là-dessus, sur cette notion de territorialité, c'est cette notion également de rareté, et c'est cette notion de bénignité. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer pourquoi? Parce que d'abord, admettons que ce soit effectivement le grand réservoir a été l'Europe centrale et orientale. Il y a une grande circulation qui s'est faite, il y a eu l'enlèvement du rideau de fer. Rideau de fer, peut-être un lapin passé, mais pas un sanglier ni un chevreuil. Il hein. Faut bien ce que c'était, hein. Ça coupait l'Allemagne en deux, hein, complètement. Hein. Donc c'était, c'est pas vieux, c'est pas vieux. Et donc ensuite, beaucoup de circulation des gens, le tourisme, et puis je pense que notre rapport à la nature a un peu changé. Il est devenu beaucoup plus ludique. On va beaucoup plus se balader, pique-niquer, courir en petit short échancré, toc, 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 dans la nature et tout ça. Vous voyez ce que... Et il y a quelque chose qui a changé. Le climat a changé. Le nombre d'espèces si domestiques, d'animaux, de trucs a changé. Le rapport avec la nature a changé. Beaucoup de choses peuvent expliquer pourquoi. On est passé d'une maladie rare, et je pense que c'était un peu plus rare qu'avant, mais pas tant que ça. Mais surtout en milieu rural, chez les cueilleurs de champignons, les forestiers, les chasseurs, les paysans qui étaient touchés, à une maladie beaucoup plus développée, urbaine. Vous savez que le nom de maladie de Lyme vient d'entrer dans le Connecticut aux États-Unis, c'est-à-dire la côte nord-est. Si vous êtes allé ou si vous regardez des vidéos, c'est couvert de forêts, c'est magnifique avec des cervidés. Et c'est là que M. Burgdorfer, Willy Burgdorfer, remarque que des scouts, vous voyez la jeune fille qui était guide, hein, des scouts, ont des arthrites du genou. Ben, il ne comprend pas très bien, ils ont toute une bande de scouts qui ont des arthrites du genou. Et donc il a trouvé cette bactérie hein, qui s'est appelée Borrelia. Qui avait été vu donc par un monsieur Borel, Alexis Borel, qui est un biologiste qui était à l'Institut Pasteur à une époque, et Borrelia, il l'a appelé Borrelia burgdorferi. Donc la maladie de Lyme, stricto sensu, c'est la maladie à Borrelia burgdorferi. Bon, maintenant, c'est comme le frigidaire, hein, on ouvre le frigidaire, hein, on n'ouvre plus le réfrigérateur, si vous voulez, hein, on prend. Bon, c'est passé, mais sachez, simplement comme ça, parce que c'est une borréliose, voilà, c'est la maladie de Lyme qu'on appelle, en fait, c'est une infection par Borrelia, et il y en a plein, il y a des variétés hein, différentes de Borrelia, ce qui fait qu'on n'a jamais pu faire de vaccin. Pourquoi on n'a jamais pu faire, vous imaginez, mais pourquoi on n'a pas fait de vaccin? Pas évident. Eh bien, on n'a pas pu faire de vaccin pour deux ou trois raisons que je vous expliquerai par la suite, mais une essentielle, c'est qu'il y a des sous-types de Borrelia extrêmement variés, qui fait qu'il est difficile d'avoir des domaines antigéniques communs,
Et donc, il faudrait faire un vaccin par espèce et sous-espèce. Et on n'est pas sûr qu'il marche. Là aussi, je vous expliquerai pourquoi. Donc, c'est compliqué. Donc, elles sont infectées. Il y a des transmissions transovariennes qui ont été publiées. Et puis, au début, on disait, oh, ben non, il faut que ce soit une bonne tique bien grosse, qui suce beaucoup de sang. Pour être infectée, il faut qu'elle reste longtemps pour qu'elle infecte quelqu'un. Parce que qu'est-ce qu'on sait, c'est que la tique pique, mord, ce que vous voulez, elle ingurgite du sang, elle est infectée dans son intestin, c'est là que le sang ingurgité se contamine, si on peut dire, et une tique, ça n'a pas d'intestin avec un anus au bout, ça régurgite. Voilà. C'est pour ça qu'on disait, il faut que ça reste un moment pour que c'est le temps de s'infecter et régurgiter. Et on disait aussi, il ne faut pas stresser la tique, parce que sinon elle régurgite de trouille. Mais c'est vrai. Si vous arrachez la tique, elle a un réflexe avant d'y passer, si on peut dire, elle rejette tout ce qu'elle a, elle se vide, et c'est là qu'on peut se faire infecter. Donc tout ça, c'était très logique. Mais on s'est rendu compte que quelques heures suffisent pour se faire inspecter, que cette notion de 24 heures ou 48 heures avec une tique accrochée quelque part bien grosse, vous voyez, je veux dire, n'est pas tout à fait correcte. Donc, les notions ont changé. Les territoires sont devenus beaucoup plus importants. Et là, voilà, les territoires, maintenant, sont tous couverts. Alors, il y a des zones, vous voyez, qui ne sont pas couvertes, mais c'est parce que elles ne sont pas renseignées. Vous voyez, le Portugal est là. Et la Galice et le Pays Basque espagnol la Galice espagnole et le Portugal qui ne sont pas renseignés. Bon, ça, je pense que c'est plutôt des... Il n'y a pas de raison, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait un trou comme ça là-dessus et que la côte... Alors c'est vrai qu'on a dit longtemps que les littoraux étaient épargnés. On disait le littoral est épargné et deuxièmement en hauteur, en altitude il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux. C'est la présence des animaux, c'est-à-dire des hôtes qui sont capables de la transporter. Mais on s'est rendu compte qu'une petite musaraigne, un mulot, un truc comme ça, pouvait la transporter aussi, et qu'elle pouvait vivre, elle n'était pas obligée de vivre dans des bois, avec des cervidés ou des sangliers. Pour... Donc, ce qui fait que ça, je pense, que c'est une notion qui va se recouvrir, et là aussi, ce sont des défauts de signalisation. Vous voyez, à l'Italie, les Abruzzes italiennes, qui sont pas... Alors, si vous connaissez les Abruzzes ou ces régions-là, c'est couvert de forêts, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Et vous voyez, les trois stades de la tique. Et ces trois stades sont complètement contaminants. Et si vous imaginez que celle de gauche, toute petite, si elle s'est mise dans un endroit un petit peu caché, là, dans les plis, dans la nuque, dans les sourcils, dans les plis fessiers, partout, dans les replis intimes de votre anatomie, on ne la trouve pas, quoi. On ne peut pas la trouver, il faut se faire inspecter. Il faut se faire inspecter, surtout, dans le dos. Parce qu'on peut se regarder devant, mais derrière, c'est un peu plus compliqué, quoi. Deuxième stade qu'on a appris aussi, c'est que... Mais ça, on le savait pour d'autres bactéries. On savait pour d'autres bactéries, c'est qu'elles étaient capables d'avoir, c'était des spiroquettes, c'est-à-dire ces espèces de petits serpents, mais qu'elles étaient capables de se grouper en anneaux, en amas, et se recouvrir de ce qu'on appelle des biofilms. Donc il y avait des changements. Et ces changements, c'est une forme de résistance. C'est-à-dire que la bactérie se protège de deux manières. Elle va se mettre dans des tissus, elle n'aime pas l'oxygène, la Borrelia. Elle est anaérobie, elle n'aime pas l'oxygène. Donc elle ne va pas se mettre dans la circulation où il y a du sang oxygéné. Même dans les veines, il y a encore toujours un petit peu d'oxygène. Elle va se mettre dans les tissus. Et deuxièmement, elle va se recouvrir, ce qui lui permet de se protéger des agressions. Elle n'est pas la seule à faire ça, mais enfin, c'est quand même une forme. Et le deuxième point important qu'il faut savoir, c'est que, en tous les cas, ça a été démontré par une des rares équipes qui sait faire pousser des Borrelia et les étudier. Plus on donne des antibiotiques, un certain nombre, plus ces formes augmentent. Donc il y a déjà une discussion qu'il faudra avoir entre spécialistes. Doit-on donner des traitements antibiotiques pour traiter cette bactérie ? Doit-on les donner longtemps ? Il y a deux écoles.
L'école américaine qui a commencé est une école du tapis d'antibiotiques très long dans le temps. Dès que je me suis intéressé, j'ai fait partie des gens qui ont dit non, ça ne me paraît pas logique. L'expérience d'autres bactéries gram négatives intracellulaires, c'est pas la seule, hein, c'est pas le diable, la Borrelia, hein. Il y a d'autres bactéries qui sont pareilles, hein, qui sont aussi, j'allais dire, organisées en défense. La brucellose, l'hémicobactérium, c'est-à-dire de la lèpre et de la tuberculose, un chlamydia. Donc c'est pas forcément des trucs très exotiques, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a l'habitude, la brucellose, on a l'habitude de les traiter. On a toujours traité par des séquences. Donc j'en étais resté un peu là, et les travaux d'Eva Sapi ont tendance à donner raison aux gens qui pensent comme moi, parce que, effectivement, cette forme de résistance, là, augmente. Et il y a la deuxième forme de résistance qui peut augmenter, on verra ensuite, c'est celle de la sélection des mutants résistants à l'exposition d'un antibiotique. Vous savez qu'une bactérie, ça se divise, il n'y a pas papa et maman bactérie, hein. C'est une bactérie, deux bactéries, quatre bactéries, huit bactéries, 16 bactéries, 32. Et s'il y en a un qui est résistant, toute la lignée sera résistante. Il n'y a pas partage de gènes. Il y a séparation des gènes en deux, crac, partie égale. Donc, à ce moment-là, le caractère de résistance à l'antibiotique se transmet intégralement dans toute la lignée. Ce n'est pas les lois de Mendel, ce n'est pas les lois de la génétique. Donc, l'exposition à des longs traitements d'antibiotiques peut potentiellement exposer à l'acquisition de ces deux formes de résistance. Comment c'est une Borrelia ? C'est très intéressant parce qu'il y a deux choses. D'abord, il y a un noyau assez long. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle des capsides. Qu'est-ce que c'est que des capsides ? Qu'est-ce que ce sont, des capsides ? Ce sont des capsules, ce qu'on peut dire, qui contiennent du matériel génétique. Donc vous comprenez que la Borrelia, son matériel génétique, il y en a dans le noyau, certes, mais il y en a aussi dans des petits trucs, dans des plasmides, qu'on appelle. Qu'est-ce que j'ai dit ? Capsides ? Des plasmides. Des plasmides, pardon. Ce qui veut dire qu'une partie des antibiotiques qui agissent sur le matériel génétique ne sera pas efficace. Donc déjà, c'est une bactérie qui va se planquer dans des endroits peu vascularisés, qui se recouvre de biofilms, qui développe une forme de résistance particulière et qui est réfractaire à certains antibiotiques. Ça commence mal, si je veux dire, l'histoire. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Si on avait un traitement antibiotique bien cadré, ça se saurait. On aurait des protocoles, des procédures opératoires standardisées. On nous dirait première intention, c'est ça, deuxième intention, c'est ça. Comme dans beaucoup de maladies, on le sait, pour traiter en maladie infectieuse, les médecins disposent d'arbres décisionnels avec des protocoles qui changent et tout ça. Après, bon, chacun s'adapte. C'est un art aussi, la médecine. Mais enfin, là, au départ, la situation est complexe, et la situation est difficile. C'est pour expliquer pourquoi certains médecins qui s'occupent de vous ont des difficultés pour y arriver. Et pourquoi certains antibiotiques, après on verra la suite, pourquoi on peut choisir certains antibiotiques et qu'il y a des critères de sélection d'antibiotiques en fonction de certains éléments. Bon, comment on surveille notre antibiotique ? Théoriquement, cette réaction locale allergique inflammatoire, qu'on appelle l'érythème migrant, intervient après 48 heures. Maintenant, ça commence à se savoir, si un érythème migrant, on soigne. Je crois que la plupart des médecins maintenant, il me semble, hein, de mes confrères, sont convaincus quand même qu'il y a une prudence à avoir. Le seul problème, c'est qu'on peut le confondre avec autre chose et qu'il n'est pas toujours présent. Vous avez par exemple, hein, vous voyez des formes assez évidentes à gauche avec la cocarde. Mais ça, qu'est-ce que c'est ?
je sais pas, hein, c'est pas, c'est flou un peu. Bah, d'accord, vous comprenez, c'est pas franc. Et à droite, qu'est-ce que c'est? Bon, on va vous dire, ah oui, vous avez été piqué là, bah, c'est une réaction allergique autour. Puis une piqûre noire comme ça, c'est une araignée. Hein, ou quand il y a 2 ou 3 points, ou quand c'est noir comme ça, c'est une araignée, c'est un truc. Ça... Bon, il faut mettre un peu de pommade corticoïde, des trucs comme ça va passer. Voilà. Chez les enfants aussi, des érythèmes, il peut y en avoir des tas de sortes, et puis ça peut passer. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le stade 1. Il est souvent accompagné, on l'avait vu avant, d'un espèce de syndrome grippal. Fièvre ou pas, fatigue, douleur et rougeur. Et puis, la grippe, c'est-à-dire, il commence à y avoir quelque chose qui ne va pas. Et dans les stades 2 ou 3, ben ça devient un peu n'importe quoi. Alors j'ai entendu dire 49 signes, 32 signes, 72 signes. D'accord? Ça, c'est des gens qui se font plaisir en faisant des grilles, en mettant leur nom sur la grille. Il y a autant de symptomatologie qu'il y a d'individus. C'est sûr que c'est intéressant de faire des grilles. Je connais certains grands Américains, moins grands Européens, quelques Français qui essayent de faire des grilles et de donner des grilles. Ça peut aider. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est une infection qui devient chronique. Toute infection qui devient chronique a la fatigue. C'est le grand signe. Toute infection qui devient chronique donne des inflammations. Donc il faut chercher les signes inflammatoires. Et peu importe qu'il y ait 10, 15, 30 ou 72, il faut chercher les signes inflammatoires. Ça, c'est de la logique. Le reste, c'est autre chose. Et il faut chercher des signes inflammatoires de façon à pouvoir déclencher une espèce de... très rapidement les repérer pour déclencher une prophylaxie. Si en cas de morsure... Maintenant, les recommandations de l'ILADS. ILADS, ça veut dire International Lyme and Associated Disease Society. C'est la plus grande société savante. C'est une association avec des patients et des médecins et des scientifiques qui organisent des congrès. Le dernier était à Madrid. Au début novembre, bon, j'y étais pour y parler d'une chose particulière, justement des métaux lourds, tiens, et des rapports métaux lourds et immunologie. Et en cas de morsure de tique avec un rempart sanguin, indépendamment du temps d'attachement, une prophylaxie de 200 à 400 mg pendant 21 jours. Et même, ça, s'il y a une histoire de la maladie, d'accord? On est toujours dans un truc récent, c'est-à-dire, j'ai été parqué par une tique, j'ai eu ou j'ai pas eu d'érythème migrant et je me sens pas bien. L'option maintenant aux États-Unis ou dans une zone d'endémie ou dans une zone où on sait, il faut traiter. Et il faut traiter 21 jours. Là, ils ont mis de la doxycycline, mais enfin, il y a 3 molécules qui sont recommandées. Il y a les amoxicillines à dose de 2 ou 3 grammes par jour, les cyclines comme la doxycycline. La base à dose de 200 mg par jour, ça peut monter à 400. Si on est un Américain de 130 kg, et peut-être 400 mg, ça ira. Et il y a également les macrolides, l'azithromycine, 500 mg, c'est-à-dire deux fois 250 mg, pendant également 21 jours. Mais il faut le prendre, cette décision, et quand il n'y a pas d'érythème migrant, elle est difficile à prendre, surtout s'il n'y a pas la notion de tic. Et surtout, il n'y a pas de diagnostic à ce moment-là. Vous savez que les diagnostics, surtout entre les tests sérologiques, les anticorps mettent toujours entre 5 et 8 semaines pour apparaître. Faire un test de Lyme, qu'il soit ELISA ou Western Blot, avant 7 semaines, ça ne sert à rien. À rien. C'est simple. Ça ne sert pas un peu, moyen, ça ne sert à rien. Parce que vous pourrez toujours vous dire, ah, on aurait pu attendre. D'accord? Les anticorps n'ont pas eu le temps d'apparaître. Il faut que les lymphocytes, les cellules du système immunitaire, s'affrontent avec les bactéries, se transforment en lymphocytes mémoire ou en lymphocytes activés,
et qu'ils produisent des protéines qu'on appelle des anticorps. Ben, il faut du temps. Heureusement que nous avons une partie de notre système immunitaire qu'on appelle les tueurs nés, natural killers, qui vont attaquer tout ce qui bouge et qui leur semble bizarre. Heureusement qu'on a ça. Parce que sinon, on serait pratiquement tous morts, vous voyez, je veux dire, alors, on se constitue un répertoire de mémoire, mais les 6 premiers mois de sa vie, c'est maman qui nous a filé les défenses, par le lait, par son sang, par le lait, maman nous a filé les défenses, et on a heureusement que pendant les 6 premiers mois, on a les natural killers qui nous protègent. Le système immunitaire n'est mature qu'à 7 ans. Le thymus, les lymphocytes T du thymus, c'est à 7 ans. D'accord ? 7 ans. Les 6 ou 7 premières années de la vie, un enfant n'a pas le système immunitaire complètement développé. C'est pour ça que les enfants sont particulièrement exposés. Particulièrement exposés en cas d'agression. D'accord ? C'est aussi, j'allais dire, bête que cela. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Ils n'ont pas tous les moyens de se défendre. Alors, ça passe plus ? Ah si, c'est passé. Ça, c'est pour vous dire que... ça, c'est une Borrelia qui a été marquée. Elle est sortie du vaisseau une minute après. Elle reste pas dans la circulation. Et c'est ce qui explique pourquoi, on le verra après, les tests ne marchent pas. Pourquoi on dit pourquoi les tests ne marchent pas ? Alors, il y a la théorie du complot. Je connais bien mon ami Perron, mais bon, là, il y a aussi parce que les tests, on ne peut pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Un test, un anticorps, il teste la production d'immunoglobuline. OK ? Bon, mais ça se fait que les immunoglobulines, je vous ai dit que c'était le résultat de l'affrontement des lymphocytes avec les bactéries. Or, les bactéries ne se montrent pas. Il n'y a pas d'affrontement. Donc, il ne peut pas y avoir corrélation entre la charge bactérienne et le niveau des anticorps. On ne peut pas dire « Ah, vous êtes super malade, vous, alors hein ?» On peut être extrêmement malade avec un test quasi négatif ou négatif. Pour les raisons que je viens de vous dire. C'est pas... C'est pour ça. Et on peut être pas du tout malade avec des sérologies au plafond, très peu. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a un système immunitaire plus fort que son petit camarade. Ça veut dire qu'on a la bactérie a un peu plus circulé et par chance, il y a une bande de lymphocytes qu'il a rencontrée qui a produit des anticorps. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'on ne pourra pas suivre donc l'évolution de la maladie avec la sérologie. Elle apparaît tardivement, elle ne reflète pas ce qui se passe. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez fait des études de biologie, mais on vous a dit, votre médecin vous a dit d'une manière très docte, attention, votre test est négatif en immunoglobuline de type M, ça veut dire que c'est un truc ancien. Ouais. Ça, c'est quand c'est une bactérie qui affronte sabre au clair le système immunitaire. Il y a d'abord les immunoglobulines de type M qui disparaissent, et ensuite les immunoglobulines de type G, qui continue, on vous dit, monsieur, madame, votre sérologie, c'est une infection ancienne, parce qu'il ne reste que des immunoglobulines de type G, vous n'avez pas d'immunoglobulines de type M, vous avez peut-être été touché par la Borrelia, mais non, c'est plus actif. D'ailleurs, vous remarquez que les Western Blot, qui sont une forme d'ELISA, hein, si je mesure des anticorps par une autre technique, une autre c'est de l'hémagglutination, l'autre c'est de la sandwich enzymatique, enfin je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est le même principe, c'est la mise en évidence d'immunoglobuline. On fait une vérification sur les IgM, toujours. On fait une vérification Western Blot IgM. Restant là-dessus, mais ça ne veut rien dire. Ça ne marche que si c'est une bactérie qui est franche et honnête, si je peux m'exprimer, ou courageuse ou inconsciente, pour affronter le système immunitaire. Si elle est, elle n'est pas vicieuse, mais si elle est un peu douée comme elle l'est, l'autre, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on peut être très malade avec uniquement des IgG et pas du tout d'IgM. Le biologiste moyen, il ne comprend plus rien. Le médecin de base non plus.
On peut être très malade avec des taux très faibles, ou voire inexistants. Là aussi, personne n'y comprend plus rien. Mais je vous explique pourquoi. C'est pas mystérieux. Hein, les tests ELISA et Westerblot ne font que ce qu'ils peuvent. Tant que ça restera des tests de sérologie pour chercher des anticorps, on aura beau les améliorer, les faire en Allemagne, en Autriche, en Pologne, sur Mars, pareil. Et là, Perron avait raison. C'est vrai qu'à un moment donné, les tests en Allemagne étaient un peu plus élaborés parce que des laboratoires privés l'avaient fait, donc ils avaient baissé un peu la sensibilité du test pour les déclencher positifs un peu plus facilement. Attention. Quand vous faites un test dans un laboratoire privé, il faut faire attention à comment il est étalonné, le test. Hein ? Si moi je veux qu'un test Western Blot se déclenche positif très très vite, je sais le bidouiller, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein ? Je déclenche le seuil et j'appelle le bidouiller. Je sais le déclarer pour qu'il se déclare positif plus facilement. D'accord ? Donc voilà. Donc il faut faire attention. Et c'est pour ça que, pour l'instant, il y a une bagarre. Alors je veux bien croire qu'il y a des intérêts financiers en jeu. Je sais pas, moi je ne suis pas au courant. M. Perron est certainement plus au courant que moi parce qu'il a accès à des informations auxquelles je n'ai pas accès. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens sont allés faire des tests ailleurs pour chercher soit des tests plus sensibles, soit d'autres techniques dont on parlera par la suite. Donc, il y a un consensus, maintenant. Le traitement de la crise aiguë, c'était 2 semaines. Et au début, c'était ce consensus de 2006, qui est de la Société française de pathologie infectieuse de langue française, et également aux États-Unis de la Société américaine de maladies infectieuses, IDSA, Infectious Disease Society of America. C'est 2 ou 3 semaines, 2 semaines d'amour. L'ILAS pense qu'il faut davantage, au moins, le traitement de 4 à 6 semaines de celui de première intention. La première consultation doit être très longue. Vous comprenez bien que si quelqu'un vient vous voir avec la collection de symptômes, les 72, les 49, enfin, peu importe, dont on a parlé, et qui vous dit, docteur, je suis sûr que j'ai la maladie de Lyme, que j'ai, parce que je, dans ma région il y en a, ça ressemble, je suis allé sur internet, j'ai les symptômes, j'ai tout ce qu'il faut, il y a ça. Il faut décortiquer tout ça. Parce que certes, ça peut être la maladie de Lyme, mais vous verrez que ça peut être également beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, et c'est vrai que, avant de déterminer que quelqu'un doit chercher également des cofacteurs, des co-infections ou des éléments supplémentaires qui perturbent le système immunitaire, il faut passer un peu de temps sur l'histoire de la personne, ses habitudes de vie, ses antécédents personnels, familiaux. Moi, je ne sais pas faire en moins d'une heure. Mais non. J'ai toujours admiré les confrères qui le faisaient en un quart d'heure, 20 minutes ou même une demi-heure. Ils sont très rapides. Ils ont certainement une fulgurance de la pensée que je n'ai pas, malheureusement. Donc il faut que cette première consultation soit longue, elle est fondamentale, avant de faire malheureusement ce qui se passe. Écoutez, madame, vous êtes fatiguée, allez vous reposer, allez voir quelqu'un. Je connais quelqu'un, il est très gentil. Non, c'est pas un psychiatre, il est psycho, bidule, machin, mais il s'occupe bien, voyez, il va s'occuper de vous, ou un rhumatologue, ou ceci. Donc vous commencez les choses, d'accord, ok. Parce que la personne, le médecin n'a pas passé assez de temps pour se faire cette. Et l'organisation de la médecine est comme ça. En ville, elle est comme ça. À l'hôpital, pareil, il y a des cadences. Vous savez qu'à l'hôpital, maintenant, il y a une surveillance. C'est la facturation à l'acte. C'est-à-dire, dans un service hospitalier, le service hospitalier reçoit une dotation selon le nombre d'actes qu'il fait. Donc, une consultation, c'est un acte. Donc, il faut pas traîner, quoi, comme on dit. Voilà, Et or, malheureusement, il faudrait traîner. Je le dis gentiment, je dis, ça, c'est pas adapté. Voilà, il faut des médecines qui permettent d'avoir ce temps.
Alors il y a une grille de Cronimed, moi je fais partie de Cronimed, à la demande de, à l'époque, le président de Cronimed, je crois que c'était... Enfin, il y a eu plusieurs présidents qui sont tournés. Je me demande si ce n'était pas Béatrice Milbert ou d'autres médecins qui étaient là, qui m'avaient demandé de venir. Et donc, je participe à leurs travaux. Je ne vais pas tout le temps avec toute l'assiduité qu'il faut, mais je viens le plus souvent qu'ils font. Et donc, il y a cette grille qui a été mise en place. Je la trouve pas mal parce que elle des critères de fatigue, de neuromusculaire, musculaire, irritatif. Voilà, les critères neuromusculaires. Alors, ces critères neuromusculaires, c'est important. Parce que vous savez qu'un des diagnostics différentiels qu'on a de maladie de Lyme chronique, maladie de Lyme chronique, ça veut dire je persiste au bout de 6 mois, même après un traitement. C'est ce qu'on appelle maintenant, dans la consensus de la Haute Autorité de Santé, le syndrome persistant post-piqûre de tic, SPPT. Voilà, PPPPT. Et les Américains appellent ça le post-Lyme disease treatment syndrome. Donc le syndrome, c'est-à-dire l'ensemble de signes persistants après un traitement de Lyme. Parce que la question se pose, vous avez été traité une fois, allez, deux fois, maintenant on admet deux fois, trois fois, ça continue. C'est pas ça, je veux dire, voilà, circuler, en plus le test n'est pas évident, il n'y a plus que des IgG ou il n'y en a pas, c'est pas ça. C'est autre chose que vous avez. Ou alors vous avez une maladie immuno-inflammatoire. Et là on commence à vous parler de fibromyalgie, là on commence à vous parler de syndrome de fatigue chronique, là on commence à vous parler de neuropathie vasculaire périphérique, là on commence à vous parler de sclérose en plaques, là on commence à vous parler de choses comme ça. Tout ça, c'est des mots-valises. Fibromyalgie, ça veut dire j'ai mal aux fibres musculaires. Ça veut rien dire. Sclérose en plaques, ça veut dire j'ai des plaques de sclérose quelque part dans le système nerveux. Ça ne veut rien dire. C'est pas... Si vous demandez à un médecin, et c'est dû à quoi? Ah! Ça doit être auto-immun. Non, auto-immun, ça veut dire que mon système immunitaire s'est retourné vers moi. Pourquoi il s'est retourné vers moi? Ah, écoutez, je ne sais pas, il s'est retourné vers vous. Peut-être que vous avez quelque chose de génétique. Ouais. Et donc, on a essayé les classifications HLA, les classifications pour essayer de trouver des corrélations entre des variabilités du système génétique de la personne et des potentialités de faire une maladie. Ça existe, mais ce n'est pas la seule explication. Il y a des éléments déclenchants. Je fais partie des gens qui pensent que toutes ces maladies, y compris les maladies neurodégénératives, pas toutes, mais une bonne partie des maladies neurodégénératives, en tous les cas une bonne partie de la plupart des maladies dégénératives, un certain pourcentage de cas importants de Alzheimer, schizophrénie, autisme, sclérose en plaques, polyneuropathie périphérique, fibromyalgie et d'autres dégénérescences neuromusculaires, neurologiques et musculaires pourraient être dues à des infections chroniques. Pas forcément à Lyme, mais à des infections chroniques. Parce qu'il est normal de penser qu'un système immunitaire, à force de réagir, de se battre, il finit par devenir aberrant et se retourner contre soi. Ça, c'est pas... c'est tout à fait plausible. En tous les cas, il faudrait que, dans tous ces cas que je viens de dire, la piste infectieuse puisse être évoquée. Ça serait déjà pas mal, vous voyez ? Ça serait déjà pas mal. Des critères musculaires, des crampes, des myoclonies, je vous montrerai pourquoi ça arrive, tout ça, hein. Des sensations de manque d'air, des fasciculations, des impatiences, des critères irritatifs avec des arthralgies, des troubles digestifs, des prurites. Des prurites, pourquoi les gens se grattent comme ça. Là, il y a aussi des explications, on va les voir tout à l'heure. Donc, Cronimed a dit, ah, on peut faire un diagnostic si la fatigue est 5 critères. Donc en fait, un chronique fatigué ou dépressif, présentant 5 de ces critères qu'on vient de voir, plus d'une fois par semaine, avec au moins un critère vasculaire, musculaire irritatif, il y a une origine infectieuse très probable. Et là, on peut se dire,
on peut déclencher un bilan. Et je crois qu'on a tout à fait le droit, si on voit des examens biologiques un petit peu douteux, de faire ce qu'on appelle une épreuve thérapeutique. Ça existe en médecine, c'est pas interdit. Si vous dites, Madame Mast parlait qu'elle avait été convoquée à l'ordre des médecins et qu'elle avait été critiquée et tout ça. Mais vous avez, monsieur, écoutez, vous dites, j'avais, ce malade était fatigué, ceci, ceci, j'ai fait un test, j'ai essayé de comprendre s'il n'avait pas une infection chronique, j'ai trouvé des tests qui étaient un petit peu douteux, j'ai fait une épreuve thérapeutique, ça allait améliorer, j'ai continué. Qui va lui dire quelque chose? Hein, mais il faut, j'allais dire, beaucoup de mes confrères ont eu des ennuis. Peut-être parce qu'ils avaient l'esprit militant, et quand on a l'esprit militant, moi j'ai l'esprit militant, mais je suis froid et calculateur. J'ai pas l'air comme ça. Mais ça fait 10-15 ans que personne n'a réussi à m'emmerder. D'accord ? Parce que je suis extrêmement méthodique et froid dans mes conclusions. C'est-à-dire qu'il faut absolument étayer ces initiatives par des faits concrets. Je vous ai trouvé des choses, j'ai tenté. L'acharnement thérapeutique est une erreur. Mais la recherche thérapeutique, l'épreuve thérapeutique est une bonne chose. C'est quelque chose qui existe et qu'on peut vous dire, écoutez, vous êtes exagéré, vous pensez tout le temps à ça, mais on ne va pas vous critiquer autrement, parce que sinon, voilà, si de bonne foi, avec des critères, vous avez une suspicion forte, étayée par des examens biologiques qui sont certes douteux, mais qui ne sont pas complètement négatifs, on a le droit d'essayer. Je veux dire, voilà, je pense qu'il faut essayer. Voilà. Enfin, c'est mon opinion. Je vous montre ça parce que c'est un audit sur 100 patients en Irlande qui a été fait par un de mes amis qui est le professeur John Lambert, qui est à Dublin, et qui voulu savoir, dans les cas de fibromyalgie, justement, et de fatigue chronique, quelles étaient les sources infectieuses. Donc, voilà, c'est en anglais, vous comprenez, fibromyalgie, chronique fatigue syndrome, ça pense, et du post-Lyme disease syndrome, c'est ce fameux syndrome après traitement de Lyme. Donc là, il a pris 100 patients qui avaient ces trois conditions, qu'on appelle, qui est présenté ces trois états, et donc il a refait une enquête très sérieuse sur des tas de germes. Alors là, vous ne les voyez pas. Ah si, vous les voyez pas trop mal. Hein. Et vous voyez que, en tous les cas, en Irlande, d'accord, en Irlande, vous voyez que il y avait un petit peu de Babesia, d'Anaplasma, de Bartonella, de Brucella, Lyme vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ça, et c'est un type qui est, Lambert est un type qui est convaincu, hein, qui était avec moi à Madrid il y a 15 jours. C'est pas un ennemi de Lyme, hein, de la présence de Lyme. Il dit simplement, il y a attention, l'élément déclencheur a pu être ici. Où est-ce que je l'ai perdu? Borrelia, où est-ce qu'il a? Voilà, là, ici. Remarquez, il a cherché que Burdorferi, il n'a pas cherché les autres. Il n'avait pas les tests pour, je pense. Mais il y a tout ça qui reste. Donc il y a beaucoup de co-infections. Donc deuxième moralité, quand quelqu'un vous n'est en pathologie, il faut demander à votre médecin de faire des tests sur d'autres infections. Mais alors, il ne faut pas qu'il vous fasse toute la batterie. Parce qu'il y a aussi des confrères ont eu des ennuis parce qu'ils demandaient une batterie invraisemblable de trucs. Et bien entendu, il fallait les faire en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, sur Mars, en Amérique. Et ça coûtait chaque fois des trucs. Il faut étayer sa demande avec des symptômes. Une babésiose, il y a des frissons. Ça s'appelle la pyroplasmose chez le cheval et chez le chien. Le feu dans le sang. On n'a pas le feu dans le sang si on n'a pas quelques symptômes, d'accord ?
Donc s'il n'y a pas de frissons ou des trucs qui ressemblent à des bouffées de chaleur féminine ou des choses comme ça, il n'y a pas de raison de demander un test de Babesia. À moins qu'on soit, vous dise la personne, moi je fais du cheval toute ma vie, voilà, je suis élevé dans les haras, il y a peut-être quelque chose, une forme frustre, une forme bizarre de babésiose, pourquoi pas. Bartonella, ce sont des ganglions. Il y a des ganglions et des stries sur la peau. Il n'y a peut-être pas toujours les stries sur la peau, mais s'il n'y a pas de ganglions et des stries sur la peau, la Bartonelle n'est certainement pas le primum movens, ou alors c'est une forme particulière de Bartonelle, une forme secondaire. Et puis, vous avez toutes ces infections, cytomégalovirus, chlamydia pneumoniae, brucellose. Demandez à la personne si elle vit à côté d'élevage de caprins, d'ovins. Vous avez affaire en Corse ou en Méditerranéen, vous y pensez. C'est aussi, c'est pas la même chose que s'il était dormant. Enfin, il y a peut-être des chèvres en Normandie, moi j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais j'y pense pas toujours, pas tout de suite. Mais, ou alors il faut lui demander, est-ce que vous consommez des fromages fermiers, est-ce que, voilà. Et les restes, les Epstein-Barr, donc il faut demander des critères et chercher donc, s'il est chasseur, s'il chasse le lièvre, s'il a déjà eu des renards, est-ce qu'il va se baigner en rivière. Il y a la leptospirose en rivière. Moi, j'ai eu comme ça une championne de canoë qui a été contaminée par la leptospirose parce qu'elle faisait du canoë en eau vive. Faut y penser. Alors, j'ai eu la chance d'y penser, mais je veux dire, c'est pas évident, quoi. Et puis, ce lien très connu entre les maladies de Lyme, les infections chroniques, la dépression, la fatigue, les troubles musculaires. Ce sont ce que j'appelle des liaisons intimes et des lésions dangereuses. Bon, j'ai fait un jeu de mots absolument extraordinaire, je suis très content de moi. Mais c'est pour dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des troubles neuro, psy et des infections. C'est connu. Il y avait la syphilis, c'était connu la syphilis, c'était spiroquette. Le Horla, Maupassant, les grands artistes qui devenaient fous, les grands écrivains qui devenaient bizarres, même des souverains. On décrit historiquement les actes de folie ou de dépression ou de rage noire qui envahissaient des gens tout à fait brillants par ailleurs. On dit souvent en gosse, tu as des vers. Alors, il doit avoir ses vers, il est énervé, il fait n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. Deuxièmement, on a décrit également pour la Bartonelle, la rage bartonellienne. La véritable rage bartonellienne, c'est-à-dire des gens qui ne contrôlent plus leur agressivité. Mais véritablement. Les vieux vétérinaires connaissent la dépression bruxellienne. Ils ont avorté ou fait à mettre bas des brebis, vous voyez, ils ont donc mis les mains dans le placenta, dans des trucs dans ce genre, ils sont contaminés à Bruxelles. Beaucoup de, je dis pas tous les vieux vétérinaires sont dépressifs, mais enfin bon, ils ont des raisons, ils auraient des raisons de l'être. Non, ce que je dis en plaisantant, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce qu'a vu la personne, son métier, là où il a vécu, où il est allé en vacances, quels sont ses voyages, comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, et la mère, et maman, elle était comment, elle était malade, elle n'est pas malade, et ceci. Et oui, tout ça, vous comprenez, c'est complexe. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, et que Perrod aurait besoin de dire, il y a peut-être des centaines de milliers de cas, mais pas forcément de borréliose, de maladies infectieuses chroniques. Alors, une partie de ces maladies, de ces bactéries, peuvent être transmises également par les tiques et par les insectes. Donc, il n'y a pas que la borrélia, la tique ne transporte pas que la borrélia, et il n'y a pas que les tiques qui transportent la borrélia. C'est pour avoir une idée, c'est-à-dire que ça devient compliqué. Donc les puces, on a mentionné des puces, il y a quelqu'un qui a parlé des puces, c'est des punaises de lit, des moustiques, les tans, et ça transporte pas uniquement Borrelia. Borrelia est une maladie, est une bactérie qui est bizarroïde, qui est capable de se défendre, mais elle a des points de faiblesse. Elle n'aime pas l'oxygène, c'est un point de faiblesse.
Elle n'aime pas la température. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les cervidés, les animaux, ne sont pas malades. Un chevreuil, c'est pas à 37, c'est à 38,5. Or, si on veut faire pousser des boréliens, moi je fais partie d'une équipe qui en Angleterre justement fait pousser des boréliens, on devrait être 4 ou 5 équipes dans le monde, hein, savoir faire pousser des boréliens, enfin on, c'est les mecs qui travaillent à l'université, moi je viens voir de temps en temps, c'est pas moi qui suis à la paillasse, d'accord, ok, donc je fais partie de cette équipe, et vous mettez une souche de borélia à 39 degrés, elle ne pousse plus, hein. La fièvre, d'ailleurs, est un mécanisme sain pour certains. Il y a des médecines tout à fait modernes au Japon, par exemple, en Corée, dans certains pays, pas du tout des trucs chamaniques ou tout ça, où on ne fait pas baisser la température. On considère que ce sont une réaction, et d'ailleurs les protéines, ce qu'on appelle les heat shock protéines, les protéines de choc thermique, sont agressives sur les bactéries. Et il y avait une tentative, M. Perron et d'autres personnes avaient essayé à l'Institut Pasteur de faire une espèce de traitement avec ce type de protéines, c'est-à-dire d'induire des heat shock, des protéines de choc thermique spécifiques dans l'infection de Borrelia et de pouvoir faire un cocktail de protéines pour traiter. Ça n'a pas marché. Bon. Ça, c'est. Eh bien, oui, on est quelques-uns à se creuser les ménages, si on peut dire. Et ça a essayé de trouver des trucs, mais c'était pas une mauvaise idée. En Allemagne, la clinique Saint-Gorg place les gens à 42 degrés 25 minutes deux fois par semaine, oui, pendant 15 jours. Donc vous avez 4 séances de 25 minutes à 42 degrés. Intérêt à avoir le cœur un peu accroché, hein, et d'avoir une bonne équipe de réa. Mais bon, ils le font, ils ont l'habitude, ils le font. Donc je me suis renseigné, parce que ça me paraissait très intéressant, mais c'est pas assez. 25 minutes, vous voyez, deux fois 25 minutes, et après c'est dangereux. Moi j'avais pensé traiter les boréliens en les mettant sous caisson hyperbare. Donc j'avais un copain, professeur de médecine à Valence, en Espagne, et j'en ris maintenant parce que c'est ça, et donc on a convaincu des patients, c'est il y a 10 ans à peu près, d'aller se mettre en chambre hyperbarique, et pour voir si ça les améliorait. Ça améliore, mais c'est transitoire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est transitoire. Donc il y a une oxygénothérapie hyperbare, une hyperthermie provoquée, sont des améliorations, mais qui sont transitoires et qui reviennent. Mais c'est efficace. Donc il y a cette bactérie a des points faibles, il faut les trouver, on va en parler là maintenant, et voir comment on fait. On parlait des signes, la candidose des champignons, hein, les candidats donnent des signes qui peuvent tout à fait ressembler, des douleurs musculaires, des fatigues, des fasciculations, des problèmes digestifs et des problèmes neurologiques. Des addictions pour le sucre, des irritations, au contraire des rires bêtes et immotivés, pas bêtes, des rires immotivés, chez les enfants autistes. Vous remarquez très facilement quand un petit enfant autiste a cette espèce de rire immotivé avec un énervement, il dort plus, c'est vraisemblable qu'il démarre une petite candidose associée. Et il est amélioré. Il est amélioré avec des anti-candidats. Qui ne sont pas tous d'ailleurs d'utilisation. Donc, voyez, c'est important, l'interrogatoire, la damnée, savoir écouter, faire préciser ça. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le dur. Là, je vous ai fait une petite prologue doux. On va rentrer un peu plus dans la science. Vous êtes prêts? Je vais essayer de le faire simple, mais c'est important. Voilà. Quand il y a une infection, Borrelia, mycoplasme, enfin peu importe, il y a un stress oxydatif et il y a aussi la production de interleukines, c'est-à-dire d'immunoglobulines et de cytokines inflammatoires qui sont ici. Elles sont divisées en deux parties, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous avez peut-être entendu parler de la réponse TH1 et TH2, enfin peu importe, c'est les cytokines inflammatoires, pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Et il se produit assez rapidement
une pièce centrale qui est l'activation des cellules mastocytaires. Ces cellules mastocytaires vont dégrader de ce qu'on appelle de l'histamine, qui va donner entre un phénomène un peu inflammatoire, vasculaire et allergique. Mais ce phénomène inflammatoire a ceci de particulier, c'est que qu'il ait lieu dans l'intestin, qu'il ait lieu sur la peau, qu'il ait lieu dans d'autres endroits, il va pouvoir passer les barrières. Les protéines, et c'est pour ça qu'on dit « Ah, l'intestin, c'est le lieu de tout », c'est l'inflammation de l'intestin qui est le lieu de tout. Et cette inflammation peut gagner, effectivement. Ce qu'elle peut faire aussi, c'est que cette inflammation et les cellules qui sont produites peuvent créer une inflammation au niveau neurologique et au cerveau. Il y a une barrière ici, ce qu'on appelle la barrière sans cerveau, barrière hémato-méningée. Elle existe anatomiquement. Les cellules des vaisseaux qui approvisionnent le cerveau ont une paroi avec une palissade qui est différente qu'ailleurs. C'est plus jointif. C'est comme dans une carreau de salle de bain, si vous voulez, s'il y avait des choses un peu plus étanches. Il y a deux endroits où cette barrière n'existe pas. Au niveau de ce qu'on appelle le polygone de Willis, près de l'hypothalamus et du chiasma optique derrière les yeux. Décidément. Et donc, très profond entre les oreilles, disons, et derrière les yeux. Eh bien, c'est comme si la nature avait prévu deux endroits de fragilité. Mais autrement, théoriquement, ça ne passe pas. La drogue passe, l'alcool passe, enfin, il y a quand même des trucs. Mais les médicaments, par exemple, passent pas très facilement. Trouver des médicaments qui passent la barrière hémato-méningée, c'est compliqué. Donc on a vu que déjà, la bactérie se planquait, qu'ensuite, maintenant, elle déclenche des phénomènes immuno-inflammatoires au niveau de l'intestin et au niveau du système mastocytaire qui peut gagner le cerveau, et créer une inflammation dans le cerveau où malheureusement on ne peut pas et faire des ruptures de cette barrière dans laquelle peut-être des bactéries peuvent passer, on en a retrouvé en autopsie, et malheureusement on n'a pas trop d'antibiotiques pour aller les chercher. Bon, donc vous comprenez que le rapport psychiatrie, fatigue, trouble du comportement chez les enfants, chez les sujets âgés avec les, je pensais à Alzheimer ou des Parkinson, j'ai oublié le Parkinson, peuvent être aussi avec des conséquences, avec une participation, une coparticipation. Peuvent, hein, je n'ai pas dit que c'était, hein, j'ai dit mais peuvent avoir une coparticipation infectieuse. On reprend différemment les Borrelia, des cofacteurs avec des virus, des métaux lourds, des choses comme ça. Pourquoi les cofacteurs, les métaux lourds sont des cofacteurs ? Parce que par des mécanismes compliqués, il modifie certaines branches du système immunitaire, et en particulier la répartition de ce répertoire de cytokines. Là. Et du coup, ils rendent un peu plus sensibles à l'inflammation, et ils rendent un peu plus, moins efficaces certaines portions du système immunitaire. Donc voilà une autre manière de montrer comment les infections, l'inflammation et les cofacteurs peuvent intervenir. Vous voyez ces cytokines, chimiokines, je vous en ai mis quelques-unes. Elles peuvent agir non seulement en allumant le feu à droite à gauche, certaines peuvent être bénéfiques, comme le TNF, comme l'interleukine 1, l'interleukine 10, pardon, elle est anti-inflammatoire, mais l'interleukine 1 et 1 bêta est pro-inflammatoire. Donc c'est pour ça qu'on avait pensé faire des... Et c'est pour ça d'ailleurs que les traitements par ces... on avait essayé de faire ces traitements par ces cytokines particulières. «
D'accord ? Voilà une autre façon de le montrer. Voilà. Là, c'est un peu plus complexe. Mais on revient à cette notion. Il y a donc... Il marche mon micro, oui. Il y a donc cette infection avec inflammation, production de cytokines, production de stress oxydatif et de divers médiateurs. La première chose qui est touchée, c'est un peu complexe, mais c'est une chaîne enzymatique de transformation du sucre qui fait que la sérotonine ne va pas être produite. La sérotonine, c'est un neuromédiateur qui est un antidépresseur. Nous fabriquons notre propre antidépresseur. Nous avons un cocktail de ce qu'on appelle neuromédiateur, avec des choses qui nous excitent et d'autres qui nous calment. Et il y a deux grands calmants, c'est la sérotonine et le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Eh bien, la première chose qui se passe, c'est que la sérotonine se produit. Donc, vous allez me dire, bon, ben, c'est normal, quelqu'un qui est malade depuis 6 mois, il est déprimé. Oui, mais en plus, dans son intimité biologique, il y a une baisse de sérotonine. Donc, ça n'aide pas. Je n'ai pas dit que c'était la cause, mais ça n'aide pas. Donc, on sait maintenant qu'une infection chronique est capable de produire des mécanismes de type qui pourraient favoriser la dépression. Autre neuromédiateur sur lequel ça travaille, c'est le glutamate, l'acide glutamique. L'acide glutamique, c'est très important. C'est lui qui est à l'origine du GABA, de l'acide gamma-aminobutyrique. L'acide gamma-aminobutyrique, c'est l'anxiolytique. On peut être dépressif et pas anxieux. On peut être les deux. Pas pareil. Un anxiolytique, un Valium, un Tranxène, ça travaille sur le GABA. Un séroplex, tous ces trucs entre les, ça travaille sur sérotonine. Et bien également, le GABA va être dit, sa production va être détraquée. Donc une inflammation, une infection produit une inflammation. Cette inflammation produit des cytokines. Ces cytokines interviennent dans la sérotonine et le GABA. Donc, déjà, l'histoire commence mal. C'est pas fini. Il va travailler sur un autre neuromédiateur qui, lui, est excitant, qui est la dopamine. Et donc, il va y avoir une dérégulation de la dopamine, c'est un accélérateur, hein, au contraire de choses. Ceux qui travaillent avec carburant à la dopamine sont des gens qui sont infernaux, ils ne sont jamais fatigués, vous voyez, voilà. Et la cocaïne, c'est une forme de dopamine. La drogue cocaïne, c'est de la dopamine donnée sous forme pure, si on peut dire, voilà. Vous voyez, un cocaïnomane, c'est pas quelqu'un de tranquille, généralement, d'accord, ok. Et donc, c'est également, cette dopamine va être modifiée. Alors, vous direz, bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Prenons l'exemple du GABA. Cette inflammation... On va donc atteindre une perte de l'inhibition exercée par le GABA. Le chlore reste et ça modifie les canaux entre le calcium et le chlore. Le chlore reste emprisonné et donc il y a une dépolarisation du neurone, c'est-à-dire que les signaux ne passent plus. Ah. Donc, quand le GABA est détraqué, je suis anxieux, les signaux ne passent plus. Et en même temps, le seuil de sensibilité à la douleur diminue. Donc j'ai plus mal. Et une partie des fasciculations musculaires, des tressautements des muscles, des sensations douloureuses dans les muscles, c'est dû à ça. D'accord ? C'est dû à ça. Le jeune homme là, qui tressautait, pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais il aurait fallu doser son GABA. Non,
c'est un message subliminaire à passer, c'est sûr. Ce qui est très difficile à doser, parce que le GABA est ubiquitaire, il est partout, il faut doser les précurseurs du GABA. C'est compliqué, il faut faire un profil des acides aminés assez compliqué. Donc vous voyez que ces petites variations de neuromédiateurs, c'est pas rien. Je peux être dépressif, anxieux, surexcité, énervé, et en même temps j'ai mal. Tout ça parce que j'ai eu une inflammation chronique. Donc c'est pas rien avoir une inflammation chronique, d'accord ? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là c'est autre chose, c'est la modification également des rapports de l'utilisation des sucres. Donc il y a une acidose qui s'intéresse, les lactates augmentent et augmentent, on peut les mesurer. Par contre les pyruvates diminuent, la voie des pyruvates ne se fait pas et la respiration cellulaire ne se fait mal. Donc il y a une espèce d'asphyxie cellulaire. Et il y a une création également d'azotémie. Alors je ne vais pas vous rentrer là-dedans, mais vous voyez que ce soit au niveau des terminaisons nerveuses périphériques ou que ce soit au niveau de l'astrocyte, c'est-à-dire ces cellules qui tapissent à l'intérieur du cerveau entre les neurones qui font des jonctions, une espèce de glue astrocytaire qui se fait là, qui constitue l'essentiel de la microglie, il y a des inflammations qui se produisent et des variations des ions dues à l'inflammation qui fait que ça se crée. Et les gens vous disent « je suis dans le brouillard cérébral ». J'arrive plus à compter, j'arrive plus à faire, j'avais un boulot, je comprends plus rien. Le monsieur qui était là, j'étais devant ma page, j'étais en cadre, là, il fallait que j'aille dormir dans le parking. C'est ça. C'est ça. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas réfléchir. Pourquoi on ne peut pas réfléchir? D'accord, ok, il y a une modification du fonctionnement même nerveux, périphérique et central, dû à l'inflammation et aux cytokines inflammatoires. Ça, c'est pas de moi, hein. Ça, c'est quelque chose qui est bien documenté et bien connu. Ce qui fait que, sachant cela, il faut comprendre pourquoi beaucoup de nos détracteurs ont dit ben, « dans ces cas-là, il n'y a qu'à donner des anti-inflammatoires ». Puisque vous dites que c'est l'inflammation, et nous on le pense aussi, que ce sont des mécanismes immuno-inflammatoires, le système immunitaire se retourne contre soi, et on a toutes ces inflammations, donnons des anti-inflammatoires. Et c'est ce que font les médecins qui ne croient pas à la piste infectieuse. Le problème, c'est que si on donne des anti-inflammatoires, on aide, mais on ne guérit pas. Moi, la première fois que j'ai ça, mes amis de l'Institut Pasteur m'ont dit « Attends, Louis, arrête !» Tu sais très bien, ils m'ont dit que les cyclines ont un effet anti-inflammatoire. Je dis, c'est vrai. Le problème, c'est que si je donne d'autres antibiotiques des cyclines, ça marche aussi. Oui, mais il doit y avoir... Bon, j'ai dit, si je donne des anti-inflammatoires, ça ne marche pas. Ah, bon, on s'est pas fâché, hein, mais enfin, on est... C'est resté à moucher, à fleurer, pas très moucheté. Vous voyez ce que dire nos échanges. Donc, tout le monde se traite de tout le monde. Sur ces critères-là. Parce que qu'est-ce qu'il manque? C'est la preuve que l'infection chronique perdure. C'est tout. La controverse, il y a toujours des controverses en médecine. C'est une étude. J'espère que plus tard on dira « Ah, pendant 20 ans, ils se sont écharpés comme des imbéciles alors que finalement la solution c'était ça. » J'espère qu'on pourra dire ça. Mais pour l'instant... L'invective mutuelle, et vous sentez la nervosité qu'il y a même entre les médecins, l'agressivité qu'il peut y avoir avec des confrères qui sont victimes ou d'autres qui deviennent parado, eh bien, elle vient de ça, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de test qui prouve que la bactérie est toujours là. Et comme c'est une bactérie qui se planque, vous n'avez pas. Alors on va passer les tests, parce que c'est important de voir les tests et qui ont essayé d'administrer la preuve que la bactérie était toujours là. Il y a eu quand même des tentatives. Donc voilà, moi, excusez-moi, je fais ce profil des acides aminés. Donc dans les infections immuno-inflammatoires avec conséquences de rejetée, il faut faire un bilan du système immunitaire dans ses composantes humorales et cellulaires.
l'inflammation et le système d'adaptation thyroïde, surrénale, hormones sexuelles. C'est vrai que quand on a une maladie chronique, il y a tout un système qui se met en place pour résister et s'adapter. Et il fait appel au surrénal. Vous savez que les surrénales, elles ont une partie corticale qui donne les corticoïdes naturels. Donc il faut regarder si elle marche, cette surrénale. La thyroïde fournit l'énergie et la respiration cellulaire. On a vu qu'elle était, elle a vu qu'elle n'était pas bien, puisque les pyruvates diminuaient et qu'il y avait des lactates. Il faut regarder si la thyroïde fonctionne et que si le métabolisme cellulaire n'est pas ralenti. Les hormones sexuelles, en particulier féminines, ont un effet anti-inflammatoire. Toutes les femmes vous diront qu'au moment de la semaine qui précède les règles, les symptômes augmentent. Qu'à la ménopause, les symptômes augmentent. Que par contre, quand elles étaient enceintes, ah, c'était bien. Ah, docteur, si je pouvais être enceinte tout le temps, je dis, madame, ça va être compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai. Il y a une inondation œstrogénique qui fait qu'il y a un effet anti-inflammatoire. Et au moment de la grossesse, parce que c'est une grossesse, c'est une dame tolère dans son organisme un être dont la moitié des molécules et des protéines ne sont pas à elle. Il faut que le système immunitaire soit cool. Donc il y a un apaisement du système immunitaire. Tout ça pour vous dire que le système hormonal est important. Et ce n'est pas parce qu'on a 75 ans qu'il n'est pas important. On peut dire, oh, j'ai 75 ans, je m'en fous, j'ai plus de testostérone ou j'ai plus de trucs. Non, non, non. Il faut en avoir un peu, surtout quand on est malade. Non, sinon, on a un élément de la défense qui ne fonctionne pas. Alors, en biologie, on a cherché, donc. On a cherché des signes indirects de la présence d'anticorps dans des endroits précis, dans le liquide céphalo-rachidien, dans le liquide articulaire. On en trouve, on n'en trouve pas, mais ça veut dire, c'est comme elle ne circule pas plus là qu'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, les lymphocytes du thymus, quand ils sont activés, gardent des mémoires spécifiques. Et c'est ça qu'on va chercher avec les ELISpot. Vous avez peut-être entendu parler des tests ELISpot. Hein, les tests ELISpot, c'est ça. S'il y a eu contact avec la bactérie, il y a des lymphocytes T de mémoire spécifiques. Si je remets un antigène en face, ils vont se redéclencher, ils vont se transformer en lymphoblastes, ou alors ils vont se mettre à sécréter de nouveau des anticorps, de l'interféron en particulier, qu'on va chercher, ce qui est facile. C'est ça le principe du ELISpot. Je vous dirai tout à l'heure ses limites. Ensuite, je vous ai parlé des immunoglobulines, les anticorps, ça c'est Western blot et ELISA, d'accord? Et puis après, les natural killers dont on a parlé. Alors vous savez qu'on parle beaucoup des natural killers CD57. Et on dit, si le CD57 est bas, ah, madame, monsieur, vous avez la maladie de Lyme. Non. Ça serait trop beau. Le CD57, c'est sûr, c'est un organisme, ça. On croit qu'il y a des corrélations, mais ce n'est pas spécifique de maladie de Lyme. Donc si un laboratoire, quel qu'il soit, français, allemand, américain, vous dit le CD57 est bas, madame ou monsieur, vous avez donc la maladie de Lyme, c'est un pipeau. Vous me l'adressez, je lui dirai, je lui expliquerai pourquoi, d'accord? Voilà. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi et de faire dire n'importe quoi au test. C'est sûr que c'est un critère. C'est un critère en particulier quand un CD57 est bas, c'est que les natural killers, ceux qui affrontent tout ce qui bouge, qui n'est pas, j'allais dire, de la bande, du coin, ont baissé. Donc ça veut dire qu'ils se sont usés dans des luttes incessantes et qu'ils sont morts au combat. Et ils ne se reproduisent pas si facilement. Donc c'est un signe indirect qu'il y a eu combat qui a duré longtemps. Ça, c'est clair. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un truc pour elle.
Alors, voilà, ça, immunoglobulé, Western blot, n'est-ce pas? IgM, on est en IgM? Non, on est en IgG, pardon, on est en IgG, ah, 25 points, positif, d'accord? Ça ne pose pas de problème, ça, hein, d'accord, on est d'accord. Et celui-là, il est négatif puisqu'il a moins de 5 points. Mais on voit bien les anticorps présents et on les voit là-haut. On voit bien qu'il y a une réaction, il y a un blot, c'est-à-dire une tache, une précipitation, un précipitat devant P100, P39. Il y en a une, je ne la vois pas, il y a un projecteur. Et P18. Et le P41, on sait que ce n'est pas spécifique de Borrelia. C'est tous les flagelles qui ont ça. Donc, il ne faut pas le compter. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 peut-être, en dehors de P41, ou dans lequel il y a eu blot. Qu'est-ce qu'on va dire? Et là, il y a deux catégories de médecins. Il y a les médecins qui vous disent, ben non, madame ou monsieur, c'est pas ça, c'est négatif. Où il y a des gens qui disent, écoutez, comme je sais qu'il n'y a pas corrélation entre le taux des anticorps et la charge bactérienne, comme je sais qu'il n'y a pas la belle ordonnance IgG, IgM et ensuite IgG qui continue et qui a ces condamnés, et vu ce que vous me racontez, je fais une épreuve thérapeutique. Ça, c'est ce que je fais. Et si on vient de me dire, je dis, il y a une histoire de la maladie. La dame est exposée, ou le monsieur est exposé, dans sa famille il y a eu des cas, elle vit dans une région, elle a des signes qui évoquent ceci, elle a ce test qui est douteux, je fais le test thérapeutique. Ah. Et un test thérapeutique sérieux, je vais essayer 2 ou 3 molécules. Après, si au bout de 2 ou 3 mois, ça ne marche pas avec des tests, avec des séquences d'antibiotiques, je dis écoutez, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être une fausse bonne idée, comme on dit. Donc ce seuil est pourtant arbitraire, d'accord, ok? Ça, ce cut-off là. C'est ça que certains laboratoires travaillent. D'accord? Voilà, la somme doit être voilà, et donc on sait que l'actuellement c'est ça. Comment interpréter ces bandes très spécifiques? Problème de seuil est arbitraire. Est-ce que c'est une faible organisation de l'organisme? Donc comment on explique tous ces faux négatifs? Lilaz a dit, s'il y a une histoire de la maladie et 2 bandes positives en dehors de P41, il faut y aller. Ce n'est pas des imbéciles, c'est des gens qui sont en première ligne aux États-Unis et ils disent ça. Ils sont en train de s'accrocher avec la Société des maladies infectieuses et le Center for Disease Control, que je connais bien, j'ai travaillé au Center for Disease Control. Donc je sais comment ils travaillent, ils sont sérieux, mais ils sont un peu académiques, quoi. Donc un blot positif n'implique pas une maladie de Lyme, et un blot négatif n'exclut pas une maladie de Lyme. Avec ça, on est bien parti. L'ELISpot. Les lymphocytes du patient sont extraits, incubés et mis en présence d'antigènes de Borrelia et on va mesurer une cytokine particulière qui est l'interféron gamma pour voir s'il est sécrété parce que y a des lymphocytes mémoire qui s'en souviennent. Tout dépend pour ce test du type d'antigène qu'on va mettre en face. Si c'est un antigène qui n'est pas vraiment pur ou qui est un peu contaminé par d'autres choses, ça peut déclencher une positivité qui n'est pas vraiment spécifique de Borrelia. Deuxième élément qui est important, le temps de mise en présence. Académiquement parlant, ça ne doit pas déplacer 24 heures. Actuellement, les tests qu'on vous présente venant de certains pays frontaliers avec la France, de certains laboratoires bien connus, mettent 48 heures en présence. Ils sont donc retravaillés. D'accord? Donc, ils sont retravaillés. Ils sont donc, comme disent les anglo-saxons, questionable.
C'est comme ça, c'est la vie. Hein, la science, c'est quelque chose de sérieux. Si on commence à tripatouiller le principe, vous voyez, les lymphocytes sont extraits et cubés à présence. Eh bien, ce test d'antigène de Borrelia, le mot en présence d'antigène de Borrelia, il y a deux critères. La qualité des antigènes et le temps de présence. Et c'est ça qui fait la différence entre des tests qui sont toujours positifs et des tests qui ne sont jamais positifs dans certains laboratoires. Parce que le test de TTL, tout le monde sait le faire. C'est à la portée d'un technicien un peu bien formé, tout ça, excusez-moi. D'accord, ok. Donc il faut savoir les choses. Malheureusement, il y a des dérives. Voilà. Je voulais le dire parce que c'est quelque chose vous avez compris, m'énerve un petit peu. Donc on n'a pas pour l'instant... Mais par contre, je veux dire une chose. Un TTL qui est positif à plus 6, plus 8, il est positif. Même si le laboratoire a un peu bidouillé, vous voyez les choses, bon, il est positif. Ça a un intérêt. Il se repositive aussi en cas de rechute. Mais par contre, en stade précoce, il ne sert à rien. Puisque les lymphocytes mémoire n'ont pas eu le temps de se faire. Donc ça ne sert à rien de faire un TTL la première année. De même que ça ne sert à rien de faire un ELISA Westerblot dans les deux premiers mois, ça ne sert à rien de faire un TTL dans les six mois, huit mois, une année, disons, la première année. Le répertoire de lymphocytes mémoire n'a pas pu se faire. Donc il faut faire attention aux conditions analytiques, l'antigénicité croisée et le temps de mise en présence. Donc c'est un test qui est intéressant, mais il ne signe pas qu'il y a des bactéries vivantes. On est né toujours là. Et c'est pour ça que la controverse continue. Alors on a dit, bon, mais qu'à cela ne tienne, on va faire d'autres choses. Donc il faut faire d'autres sérologies, ça on l'avait dit, d'accord. Le traitement, moi je suis partisan des thérapies pulsées, je vous ai dit pourquoi, parce que ça évite certaines toxicités, ça permet de faire des cocktails d'antibiotiques, donc de tester rapidement les molécules et de voir ce qui se passe, et ça ne multiplie pas trop les formes de résistance particulières qui sont ces amas protégés par les biofilms. Donc c'est pas moi, hein, c'est Eva Sapi, Columbia, qui a démontré qu'au bout de 3 semaines de doxycycline, le nombre de kystes, de formes kystiques, augmentait de manière très très importante. Voilà. Ensuite, donc il faut aussi traiter les bases du traitement, c'est également le traitement hormonal, le traitement des neuromédiateurs, et éviter aussi le rôle de l'intestin, bien sûr, on l'a vu, puisqu'il participe à cette notion de perméabilité intestinale, participe grandement dans les mécanismes immunoallergiques, et le foie, on l'a vu, détoxifie, quand on a vu tous ces toxiques de la respiration cellulaire qui se font, les sucres qui se métabolisent mal, l'ammoniac qui s'accumule, les lactates qui s'accumulent, et les antibiotiques. Il faut bien qu'ils sortent par quelque part. Hein. Ils sortent par les reins ou par le foie. Hein. Par les selles et par l'urine. Donc, si vous faites un traitement long, il faut bien regarder comment ça fonctionne, en reins et en foie. Donc, de temps en temps, votre médecin doit faire un bilan. Tous les 3 ou 4 mois. Sinon, eh ben, il joue. Enfin, il joue, il ne s'amuse pas, mais il peut passer à côté d'un début de pancréatite ou d'hépatite médicamenteuse. Donc, il faut faire attention, c'est tout. Et il y a des produits qui ne sont pas anodins. La rifampicine, ce n'est pas anodin. Donc, il y a des antibiotiques qui sont utilisés actuellement par des confrères. Moi, malheureusement, je sais ce que c'est que l'antibiotique, comment ça fonctionne, j'en ai utilisé. Il y a des fois où je ne dors pas très bien la nuit, vous voyez, après avoir donné un traitement. Ben, beaucoup de confrères qui ont le sommeil plus... Alors, il faut donner des antiparasitaires. Ça, c'est important pour casser ces formes kystiques. Alors, on peut les donner avant. Il y a maintenant des protocoles où on intercale antibiotiques et antiparasitaires. J'ai testé il n'y a pas longtemps des protocoles dans lesquels on faisait un jour un antibiotique, un jour un antiparasitaire, un jour un antibiotique, un jour un antiparasitaire. Ça marche pas mal.
Et les huiles essentielles, qui ont un effet antiviral, antiparasitaire, anti-infection, ont été utilisées pendant. Voilà. La naltrexone à basse dose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue la dopamine et elle est anti-inflammatoire. C'est pour ça que vous avez ces protocoles avec low-dose naltrexone qui sont utilisés parce que c'est un anti. C'est un antidopaminergique, vous avez vu que c'était augmenté, et je donne souvent aussi du GABA, selon les études que l'on voit dans les fibromyalgies, l'autisme, soit du GABA, soit de la sérotonine, soit au contraire diminuer la dopamine qui est souvent augmentée. Et maintenant je vais vous parler de cette histoire de test. Je vais prendre 5 minutes, pas plus. J'ai 5 minutes, je les prends. Merci de me les avoir données. Le problème, vous l'avez bien vu, on ne sait pas s'il y a des bactéries vivantes. Donc, on a essayé de le faire avec des sondes nucléaires qui détectaient le matériel génétique de la bactérie dans le sang ou dans les liquides articulés. Le problème, c'est que donc il y a une sonde, une amorce. Les gens vont prendre sur une bibliothèque de gènes Borrelia valaisani. Le gène, il est comme ça, d'accord? Tac. C'est publié, hein? Vous pouvez, c'est libre accès, hein? Dans des bibliothèques, ça, c'est libre accès. Donc, il suffit des gens qui savent un peu manier des couteaux génétiques, ils vous font un ruban, ils le collent, ils promènent la sonde, et si jamais elle repère la même séquence, tac, il y a un signal qui s'allume. Bon, ça s'appelle la polymérase chain reaction, PCR. Mais ça ne marche que si la bactérie, on la trouve, or la bactérie ne circule pas. Donc ça ne marche pas. Donc l'idée qu'il y avait, qu'on a travaillé il y a 4 ans, c'est de travailler sur une autre piste. Chaque bactérie a un virus qui essaye de la zigouiller. Et si on n'est pas mort, avec une croûte de 100 mètres de bactéries au-dessus de nous, c'est qu'il y a une lutte là, sur la table, dans nos intestins, dans les marais, dans les forêts, entre les virus et les bactéries. Une bataille que même les plus grands spécialistes de films d'horreur n'ont pas pu imaginer, vous voyez ce que je veux dire. Ça se bat par millions, et ça ne s'épargne pas, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est parce que toute espèce, comme un virus ou bactérie, veut gagner des territoires et se reproduire, qu'ils se battent contre les gens qui essayent de leur piquer des territoires et de les reproduire. Se reproduire à leur place. Bon, c'est bien ça parce que chaque bactérie a son bactériophage qui essaye de rentrer en elle et soit de la zigouiller, soit de s'intégrer en elle pour pouvoir l'accompagner. Et on sait maintenant, les microbiologistes savent que si les bactéries évoluent, c'est peut-être grâce à ces virus qui les ont infectés il y a déjà des milliers d'années et qui ont fait évoluer les bactéries. Les bactéries évoluent en fonction des conditions climatiques, environnementales, mais aussi parce qu'elles sont infectées par des virus qui modifient leur gène. Donc ce projet d'étude de caractérisation des bactériophages spécifiques, on l'a démarré il y a 3 ans et demi en Angleterre, justement, parce que là-bas, il y a une professeure Clorky à Leicester, qui est une star à l'Angleterre, parce qu'elle a mis au point un bactériophage contre la Clostridium perfringens. Vous savez, le Clostridium, cette maladie nosocomiale qui tue des tas de gens. Maintenant, on essaye de faire des transplantations fécales pour le combattre, mais elle est en train de mettre au point un traitement par des produits issus par ces virus, ces bactériophages spécifiques. Donc, elle est connue là-bas, et quand j'ai voulu repenser à ça, effectivement, j'ai pu la chance d'avoir à la fois des aides en Angleterre, un financement et des connexions pour pouvoir y travailler. Donc, voilà ce que c'est qu'un bactériophage. C'est ça, c'est une tête qui contient de l'ADN, une gaine hélicoïdale contractile comme une seringue, des pattes pour s'accrocher, comme un vaisseau lunaire, et il va dériver avec des repères pour essayer de. Il va repérer une bactérie, une seule, chacun. Il est spécifique, il ne va pas attaquer une autre. Et il va se poser dessus et il va injecter son matériel génétique. Alors maintenant, j'espère que ça va marcher. Alors,
The T4 phage initiates infection of an E. coli bacterium by recognizing cell surface receptors of the host with its long tail fibers. A recognition signal is sent through the long tail fibers to the base plate. This unravels the short tail fibers that bind irreversibly to the E. coli cell surface. Voilà le travail d'un bactériophage. Il va faire un trou and the tail sheath contracts, causing dans la membrane de la bactérie. The tail tube to puncture the outer membrane of the cell. Il va le puncture, comme il dit, le faire un trou. The lysosome domain of GP5 is active. Et ensuite, il y a des lysosomes, en fait, c'est un domaine d'enzymes peptidoglycan layer. Qui fait que le matériel génétique ADN va rentrer dans le dans l'espèce de trompe et va rentrer dans la bactérie. Là, nous sommes dans la bactérie. Et là, after the life cycle is complete, the host ça c'est les lytiques. Ils vont se into the environment, voilà. Destroying the host cell. Ils se repliquent en milliers de petits virus et ils font péter la bactérie. Et ils vont en chercher d'autres. D'accord ? Voilà comment ça marche. Un lytique. Mais ils n'agissent pas tous comme ça. Donc ça, vous avez vu les lytiques, c'est cela. Ils rentrent, pouf, ils se multiplient. Ils se multiplient, paf ! Il fait péter la bactérie et ils repartent et le cycle repart. Hein ? Donc vous avez vu le cycle extérieur, là. Le cycle lytique. Et il y en a un autre qui est intéressant, c'est qu'il rentre dans la bactérie et il va s'intégrer son matériel génétique dans celui de la bactérie. Et il va rester. Une génération, deux générations, trois générations, 50 générations, 100 générations. Et un jour, pour une raison ou pour une autre, il se réveille. Et il se transforme en phage lytique. Et les biologistes savent ça. Ils savent induire des phages, c'est-à-dire faire sortir les phages qui sont dans le matériel de la génétique de la bactérie pour le rendre. On sait le faire, ça. Et comment on le fait ? Avec des doses d'antibiotiques et des chocs thermiques et des trucs dans ce genre. Donc, en fait, on se rend compte qu'une partie de l'efficacité, enfin, c'est une hypothèse que je fais, hein, qu'une partie de l'efficacité des antibiotiques est due à l'action des antibiotiques, mais aussi à ça. Et c'est qui explique pourquoi. Il y a des antibiotiques qui marchent, puis après ils ne marchent plus, puis ils se remettent à marcher. Vous avez vu ça dans vos traitements de le même antibiotique, ah bon, non, la doxycycline, ça fait, j'en prends plus, ça ne me fait plus rien. Je vais mettre du ce. Puis ah, le médecin qui ne sait plus quoi vous dire, ah, je vais vous remettre de la doxycycline quand même, et paf, ça marche. c'est pas logique. En vrai, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas logique. La seule logique, c'est ça. Enfin, en tous les cas, c'est une hypothèse qui tient la route et qui ne peut pas être démontrée. Donc, l'idée qu'on a eue, c'était, eh bien, écoutez, c'est simple. Au départ, c'était de faire une alternative aux antibiotiques. Mais alors, quand on est allé voir avec Madame Clocky, on est allé voir la Commission européenne en disant, bon, on a une idée pour Borrelia. On va faire des virus spécifiques de Borrelia et on va les injecter aux malades. Non, ça ne va pas être facile. Il vous pose deux questions. Et vous êtes sûr que ce virus ne va pas muter ? Je ne peux pas répondre. Et s'il attaque autre chose que les Borrelia ? Ah non, non, il est spécifique. Ah, vous êtes sûr qu'il est spécifique ? Ben oui, théoriquement, il est spécifique. Vous êtes sûr qu'il est spécifique ? Ben oui, théoriquement. Vous avez des épreuves qui montrent qu'il est spécifique, vous avez des essais depuis 10 ans qui montrent qu'il n'a pas attaqué autre chose. Ben non, on n'a pas. Donc, c'est pas. Oui, c'est. Si on se lance là-dedans, c'est 10 ans de boulot. Je le dis très sincèrement. Et je ne sais pas pourquoi, il y a 2 ans, au cours d'une conversation avec l'équipe de Leicester, on a dit, mais si le bactériophage est là, c'est qu'il y a la bactérie, puisqu'il ne peut pas vivre sans la bactérie. Donc on va faire un test d'existence de bactéries fondé non pas sur la détermination du matériel génétique de la bactérie, mais du virus chasseur de bactéries. Donc au lieu de chercher le gibier, on cherche le chasseur, si je peux m'exprimer de manière un peu simple. Et donc voilà, il présente donc
la présence de même d'un unique phage. Alors, et vous avez vu le nombre de phages qu'il y a par bactérie. Donc on a plus de chances statistiquement de le trouver qu'une bactérie. Pour chaque bactérie, il y a entre 10, 20, 100 phages qui l'ont soit détruite et qui circulent. Alors ils durent pas longtemps. Si je ne trouve pas d'autres bactéries pour vivre, ils ne durent pas longtemps. Mais ils vont les chercher. Et alors un phage, alors un biofilm, il s'en fout complètement. On a démontré ça. Ça ne lui fait rien. C'est-à-dire que ce n'est pas un obstacle, je veux dire, un biofilm pour aller atteindre une bactérie. Voilà. Donc il peut rentrer, il est tout petit, il rentre là-dedans, il rentre dans les interstices du biofilm, il va trouver la bactérie, même sous forme kystique. Et sa spécificité complète. Et donc on a essayé de mettre au point un test PCR spécifique de ce phage, et on l'a calibré, et on a fait une étude comparative de ce test avec ELISA, Western blot et PCR classique, en stade précoce de l'infection, en situation de Lyme tardif, et chez des volontaires sains. Je vous raconte des volontaires sains parce que moi, je me suis présenté comme volontaire sain dans ma propre étude. Et le laboratoire m'appelle et me dit « Louis, tu es positif ». Moi, j'ai 15 points en Western blot, en IgG. C'est pas 5 points, j'ai 15 points. Ça a été refait 3 fois parce que c'était moi, donc ils avaient la trouille. Donc ils ont refait, il ne faut pas qu'on raconte de bêtises, ils l'ont refait 3 fois. Chaque fois, c'était positif. Je suis positif en IgG, je n'ai pas d'IgM. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais faire le test, on va voir si jamais ils ont plus des bactéries. Enfin, je ne suis pas malade, ou alors, bon, ça va, c'est une forme très très légère que j'ai. J'ai peut-être du brouillard cérébral, mais je ne m'en rends pas compte. Et tout le reste fonctionne à peu près. Eh bien, j'ai eu la confirmation que j'étais PCR phage négatif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bactéries vivantes en moi. J'ai donc dû choper la maladie. Mon système immunitaire a dû réagir, ou j'ai dû affaire une forme de bactérie qui a affronté le système immunitaire, ou qui l'a affronté et qui a fait un stock d'anticorps suffisamment important pour qu'il soit encore détectable. Quand est-ce que j'ai attrapé pas? Je ne me souviens pas. J'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques, j'ai fait des randonnées à cheval, mais je n'ai pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir d'une piqûre de tique, mais je suis positif. J'ai des petites douleurs à droite à gauche, mais j'ai 67 ans, c'est normal. Enfin, c'est à peu près normal. Donc, ça permet de dire, ben, je ne me traite pas. Par contre, je sais. J'ai pas dit, je sais. Hein, si un jour je commence à yoyoter ou si on me dit, tu devrais faire un truc, j'irai refaire un test. Ça, c'est clair. D'accord? Ça, c'est clair. L'avantage du test phage, c'est que lui, il intervient tout de suite. C'est-à-dire qu'une PCR, parce que c'est le matériel génétique. Le problème de la PCR classique, c'est comme la bactérie ne circule pas. Donc voilà, elle n'est pas efficace. Il y a beaucoup de faux négatifs dans le PCR classique. Là, il y a moins de faux négatifs, effectivement, dans l'étude qu'on a vue. On a vu qu'on avait une sensibilité beaucoup plus grande que ELISA et Western blot, et aussi que les PCR. D'accord? Voilà. Donc on a fait cette étude, on l'a présentée à Chicago et à Madrid. On a développé un brevet. Et puis voilà, ce test PCR donc, est particulièrement utile en phase précoce. Là, je vous l'ai dit, les tests ELISA et Western blot sont sans fondement. Et il n'y a pas encore de mémoire. Et donc, les tests TTL ou ELISpot sont quasi inutiles. Et en phase tardive, il a quand même une sensibilité supérieure. Alors, on a dit, ben, c'est bon, on va se lancer. Alors, l'université de Leicester nous a dit, ah ben non, c'est pas notre boulot, on ne va pas se faire un laboratoire d'analyse biologique, vous voyez ce que je veux dire, en Angleterre, bon, c'est un pays dans lequel la médecine est extrêmement étatisée, hein, c'est un système centralisateur qui est très fort, et c'est encore plus compliqué qu'en France de faire une activité de ce genre. Donc nous étions une association, ce qu'on appelle une charity en Angleterre. Une charité, c'est différent d'une association 1901. Quand vous êtes trustee d'une charité, vous êtes, comme je suis, vous êtes responsable sur vos biens propres. Ça calme. Hein? Si vous faites choper, c'est grave. Oui. C'est pas comme l'arc ou les trucs dans ce genre, oui, où il ne se passe rien. Hein? Si vous faites attraper, c'est... Donc, généralement, les charities sont propres. Quoi. Et on est assez écoutés. Bon, voilà. Entre parenthèses. Donc, on était assez écoutés. On nous a autorisé à aller voir des laboratoires qui pouvaient le faire. On a cherché.
des laboratoires en Europe qui pouvaient faire des PCR, il n'y en a pas. Il y en a très peu. En Allemagne, il n'y en a pas. Quand vous recevez une PCR de laboratoire allemand, ils l'envoient aux États-Unis et ils vous le rendent. Attention, hein. Voilà. Quand ils le font en Suisse, ils le font, des PCR sur des multiplex, c'est-à-dire des appareils automatisés. Et il y en a en Suisse, effectivement, des PCR qui se font. L'extraction de l'ADN à la main, comme on voulait, il n'y avait qu'un seul laboratoire qui pouvait le faire, donc la compétition s'est arrêtée. C'est le laboratoire donc Red Labs, en Belgique, qui le fera pour ses critères. C'était les seuls qui savaient faire de l'extraction d'ADN manuellement, qui était basé en Europe et qui pouvait, qui sont quand même un peu liés avec l'université de Reno aux États-Unis, avec l'université de Bruxelles. Donc, pour moi, c'est bien parce qu'ils sont pas totalement, ils sont privés, mais avec un lien universitaire. Donc, qu'est-ce que j'ai dit le test. Pourquoi je refais la même chose? Voilà. Donc on a fait ce test, il va être mis à la disposition du public après-demain. Voilà, après-demain, 1er juillet. Le test peut être commandé et peut être réalisé. Les gens, le Red Labs vous envoyer un kit, et puis ce test. Si j'en parle, c'est parce que je défends ce test, parce que j'ai travaillé 4 ans, c'est sûr. Et avec les arguments que je vous ai dit, qui sont des arguments objectifs. Ça n'empêche pas de faire des ELISA et des Western Blot, hein, en première intention, puisqu'ils sont remboursés, ELISA est remboursé, ça n'empêche pas, d'accord, ok. Mais si vous avez un doute, et que l'ELISPOT ne vous répond pas, ou que vous avez un doute sur l'ELISPOT, et on peut raisonnablement en avoir, et sur la technique elle-même, je pense que c'est un excellent test. Et en phase précoce, ça serait le seul. C'est simple. En phase précoce, ça serait le seul, puisque l'ELISPOT ne marche pas, PCR, la bactérie se planque, et ELISA Western Blot, ça ne marche pas. Après, en phase tardive, on peut discuter, est-ce que vous faites un ELISPOT ou pas. Vous voyez ce que je veux dire, après, c'est des arguments, ce qu'on peut faire. Donc voilà. Et on est en train de travailler pour le faire sur les urines et sur la salive. Pourquoi? Parce que pour les enfants, ce sera plus simple. Parce que comme je vous ai dit, beaucoup de maladies neurovégétatives, neurodégénératives seraient peut-être dues à cela. Donc on va travailler là-dessus et on va mettre ce point aussi, on va travailler pour Bartonella. Donc Bartonella, je pense que ça sera prêt cette année. Rickettsia aussi, mycoplasme, je ne sais pas sûr, parce que le mycoplasme, c'est une bactérie qui n'a pas vraiment de membrane. Vous savez qu'un mycoplasme n'a pas vraiment de membrane. Et donc je peux vous dire que les tests de laboratoire de sérologie en mycoplasme, les directeurs de laboratoire sont optimistes. C'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de membrane. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, de déclenchement de... Et vous savez ce qui déclenche les anticorps? C'est des motifs antigéniques sur la surface de la bactérie. Or, un mycoplasme, il n'a pas vraiment de surface. Il se colle dessous. Donc il n'a pas beaucoup de déterminants antigéniques. C'est pour ça que les sérologies de mycoplasme pneumonié, de mycoplasme hominis et de trucs dans ce genre, ça ne marche pas bien. Voilà. D'accord? Et on disait, chouette, ça ne marche pas bien, donc nous, on a une valeur ajoutée. Ah ben, on nous a dit, oui, mais s'il n'a pas de membrane, où est-ce qu'il va se mettre, le bactériophage? Où est-ce qu'il va s'accrocher? Compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas sûr qu'on y arrive. On aimerait bien, mais ce n'est pas sûr qu'on y arrive, d'accord? Pour mycoplasme. Mais on va essayer. Donc, voilà. Les tests qui sont là. Moi, je vous remercie. J'ai pris beaucoup de temps, mais vous en aviez pris avant aussi. Vous avez piqué du temps, donc c'est normal. Je me défends comme je peux et je peux répondre à vos questions si vous voulez. Je prends juste un verre d'eau. Merci.